Chers téléspectateurs, nos journalistes sont partis à la rencontre de Lionel Rowe, pâtissier bayonnais réputé. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Ah mais je suis Lionel Rowe, pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur à Bayonne. Quelle étude avez-vous fait ? Pour être pâtissier, un CAP de pâtisserie, tout simplement. Où avez-vous travaillé avant d'ouvrir votre boutique ? Alors, j'ai fait mon pré-apprentissage, apprentissage, ensuite j'ai été employé et chef de production à Anglette dans une pâtisserie qui à l'époque était très renommée. Ensuite, j'ai fait divers stages dans des pâtisseries Creux des Desserts et notamment, j'ai aussi travaillé en stage longue durée à Paris chez Fauchon. Quelle est votre plus grosse période de travail ? Ah mais forcément, pour tout ce qui est pâtisserie, c'est Noël. La plus grosse période, c'est Noël. Ensuite, c'est Pâques, fête des mères. Voilà. Bien entendu, comme on est une station balnéaire, la saison est très importante, mais on va dire que 30% du chiffre d'affaires de l'année se fait sur un mois, le mois de décembre. Dans quel secteur réalisez-vous le plus de chiffre d'affaires ? Dans la pâtisserie, la boulangerie, la chocolaterie ? Alors, aujourd'hui, nous, c'est en pâtisserie. De toute façon, c'est notre cœur de métier, c'est la pâtisserie. Ensuite vient boulangerie snacking, c'est-à-dire le bien manger le midi, et en dernier, le traiteur réception. Est-ce que vous souhaitez faire ce métier depuis votre enfance ? Oui, j'ai toujours voulu faire pâtissier. Alors, ça fait très cliché de dire j'étais dans la cuisine de ma mère en train de faire des crêpes, mais c'est complètement ça. J'ai jamais envisagé faire un autre métier que pâtissier, j'ai toujours voulu faire ça. Qu'est-ce qui fait que vous aimez votre métier ? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est la diversité qu'il peut y avoir au sein de notre activité. Tous les jours, on fait des choses différentes et on a le luxe de pouvoir les faire comme on a envie. Et ça, vraiment, ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Et on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et c'est un peu ce qui me correspond, c'est la totale liberté. La remise en question, sans cesse, pouvoir faire plaisir aux gens, à nos clients. Et ça, c'est à mon sens très important. Aujourd'hui, j'aime le métier que je pratique. Quels sont vos produits phares ? Alors, on n'a pas de produits phares comme dans de nombreuses pâtisseries où il y a une spécialité. Nous, c'est la diversité des produits qui fait que les gens viennent chez nous et ils repartent jamais sans rien parce qu'on a une multitude de produits. Maintenant, bien entendu, le gâteau basque est le gâteau le plus vendu dans la région, donc l'été, j'ai envie de vous dire, c'est le gâteau basque. Ensuite, le week-end, on l'a mis en place avec les employés, une tarte du week-end, une tarte salée du week-end, et les gens viennent pour ça, mais c'est pas un seul produit, parce que ça dépend de nos humeurs, de nos amis. Est-ce que la communication sur les réseaux sociaux vous apporte de la clientèle ? Alors, indirectement, je pense que oui. Maintenant, comme toute publicité et publication, c'est difficile à quantifier, on ne pourra pas le dire. Mais bien entendu que communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui fait que les gens voient, partagent, aiment et viennent. Quel a été l'impact économique de la crise sanitaire ? Alors, l'impact économique, il faut bien se douter qu'au premier confinement, lorsqu'on a fermé 15 jours de boutiques, forcément mais énorme parce que zéro chiffre d'affaires pendant 15 jours. On a maintenu les salaires de l'intégralité de nos salariés, donc forcément c'est un impact très important. Quand on a réouvert au bout de 15 jours, on a fait moins 80%, puis les 15 jours d'après, moins 60% pour revenir à quelque chose de plus normal. Heureusement que derrière on a fait une très très bonne saison, ce qui fait que ça a un peu rétabli la situation, mais forcément l'impact économique il est de l'ordre de moins 20%. Comment vous êtes-vous adapté ? Alors on s'est adapté tout simplement avec les mesures qu'on en vigueur, quoi, c'est-à-dire
les distances entre les personnes, le plexiglas aux caisses, le gel hydroalcoolique, les gants, toutes les mesures que le gouvernement a mis en place, on les a respectées. Ensuite, sur le plan économique, on a essayé de trouver des solutions. Donc, pendant à peu près un mois, on avait mis en place un système de pizza, un peu boulangère, de façon à faire un petit peu de chiffre d'affaires et de rendre service aussi aux gens qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui ne pouvaient pas aller loin. Ensuite, au sein du magasin, vu qu'on n'avait pas la vente du snacking du midi, dont je vous parlais tout à l'heure, on a utilisé nos vitrines pour faire des paniers de légumes et de fruits, où c'est que l'on s'est associé avec Jérôme Durquet de l'Orangerie, où c'est qu'il mettait en place, lui, tous les jours des paniers, et les gens venaient. Nous, on avait mis une vitrine de libre-service où on proposait tout ce qui est crèmerie, fromagerie, un petit peu de charcuterie, des choses comme ça, pour donner du bon au cœur aux gens. Et les gens, en venant chez nous, ils avaient le pain, les fruits, les légumes, un peu de charcuterie. Et ça permettait de ne pas pouvoir se déplacer de trop, de partout, et de rester confiné. Au niveau du laboratoire, quelles sont les nouvelles mesures? Alors, les nouvelles mesures, bien entendu, c'est tout le monde avec le masque, tout le monde avec des gants, du gel hydroalcoolique en voûtu, en voilà. Et puis voilà, après on a fait un système de rotation d'équipe où c'est qu'il y a une équipe l'après-midi pour délester les gens du matin pour qu'ils se croisent le moins possible. Comment vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? Alors la première chose déjà, ce que j'aimerais, c'est que maintenant 5 ans soit revenu à la normale. C'est-à-dire que le Covid soit derrière nous ou alors qu'on ait appris à vivre avec. Mais après, à titre personnel, je pense avec une évolution normale de notre entreprise. Et dans 10 ans, je pense que je ne serai pas loin de raccrocher le vélo, comme on dit. Voilà. Avez-vous des projets futurs comme une nouvelle création ou une nouvelle boutique? Alors, vous devez bien vous en douter que dans le contexte actuel, les projets sont un peu en stand-by. Donc, non, pour le moment, il n'y en a pas. Avez-vous des enfants? Et si oui, souhaite-t-il reprendre les boutiques? Alors oui, j'ai deux enfants, Océane qui a 20 ans et Alexandre 17 ans. Et pour le moment, c'est pas l'ordre du jour. Océane fait des études de comptabilité et Alexandre est encore dans la vie scolaire et a priori n'est pas intéressé. Combien de personnes employez-vous et combien de boutiques avez-vous? Alors aujourd'hui, on a deux boutiques. Une à centre-ville sur le Parc Idéal et une qui est la boulangerie à côté de Forge à Dour, à l'avenue du 8 mai 45. Aujourd'hui, on a 42 employés. Est-ce que la mise en valeur de vos employés est importante à vos yeux? Alors oui. Oui, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on en est là. C'est sûr, parce que vous doutez bien qu'avec une quarantaine d'employés, on ne ferait rien tout seul. Donc, c'est toujours des travailleurs de l'ombre. Et justement, par les réseaux sociaux, je m'attache souvent à les mettre en valeur. Ils le méritent, vraiment. Comment gérez-vous tout votre personnel? Avez-vous un adjoint qui vous accompagne dans la gestion de votre entreprise? Alors non, on n'a pas d'adjoint, vous voyez, on a commencé il y a 20 ans avec Isabelle, ma femme, tous les deux. Et notre entreprise a grandi, on est passé à 2, 4, 6, 8, 10 pour arriver aujourd'hui dans une quarantaine de personnes. Et on est un peu à l'ancienne, donc elle gère toute la partie administrative vendeuse et moi toute la partie achat, production, donc on n'est que tous les deux. Merci beaucoup. Avec plaisir.